Bien le bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis très très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Alors, pour une fois, je vais te montrer le Portugal, plein sud du Portugal, toujours en Algarve, sous la pluie. Eh bien oui, pas de soleil pour cette vidéo. Il y a des soleils, mais ce sont d'autres soleils. Tu vas faire leur connaissance. Allez, en avant! Et voilà la pluie. Alors celle-là, faut l'immortaliser parce que c'est vrai que aussi longtemps, il n'y en a pas souvent par ici. Cassie, tu viens? Cassie! Allez, viens vite! Cassie! Allez, viens mon petit chat, viens. Voilà. Oh là là, c'est tout mouillé. Oh oui, c'est tout mouillé partout. Il ne pleut plus, il fait juste gris. Je t'embarque avec moi au bord de l'océan, dans un endroit particulier, puisque là, on vient avec Chippy et Max à la chasse aux huîtres. Et oui, parce qu'on a très envie de manger des huîtres avec des amis pour le repas du réveillon. Et ces amis connaissent très très bien par ici. Regarde-moi ça comme c'est beau. Et donc, on va se régaler des huîtres qui viennent d'ici, pile ici. C'est beau et j'espère que ça va être bon. Ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé des huîtres. Et oui, d'être resté des années à Bordeaux, ça m'a habitué à manger régulièrement des huîtres. Là, ça me manque beaucoup. N'est-ce pas ma chipie? Elle est belle, hein, chipie. Et Max est très beau aussi, hein. Regarde-moi ça comme c'est beau. Comme tu vois, il fait gris, mais ça fait du bien, il fait bon quand même. Hein, parce que là, j'étais presque en t-shirt quand même. Hein. Et pour une fois, ce n'est pas moi qui conduis. Donc, allez, t'en profites avec moi pour regarder ce joli paysage. Là, nous sommes sur le bord, on arrive petit à petit sur Portimão. Donc je ne vais pas te donner le nom des villages juste avant Portimão parce que je ne les connais pas. Mais en tout cas, on arrive vers Portimão. On ne va pas rentrer dans Portimão. J'aime bien conduire, mais c'est quand même bien agréable de se faire conduire de temps en temps. Voilà, là on est vraiment au niveau de Portimão. C'est marée basse. Alors on le voit pas, mais il y a plein de. On a croisé plein de cigognes, des flamants roses d'ailleurs qui sont blancs. Et là je peux prendre le temps de filmer correctement ce viaduc que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son architecture. T'en penses quoi, toi? Les papiers ou en bas? En bas. J'irai avec toi. Oh là là, quel tablé, j'adore! J'adore! C'est pour ma copine Cathy. Ah oui! Là, c'est un vrai bonheur. Super bon. Cathy, oui. C'est la première fois que j'ai autant d'abonnés. Et là, vous connaissez Babou Mina, la chaîne de Babou Mina. On a réussi à passer la frontière. Vive la Bretagne. Redis-le au fort, parce que c'est vrai que des Bretons, vous êtes de partout. Vive la Bretagne. Et toi alors, tu vas dire quoi? Ah, vive la Normandie. Tu as le droit de dire, tu as le droit de redire. Hein. Je veux redire vive la Normandie. Bah, bien évidemment. Alors, vive la Normandie. Bon, c'est dommage, il n'y a pas le chéri de Mireille. C'est dommage. Il arrive. C'est il arrive. Elle l'a mis au linge. Les vaches, c'est pas beau.
Il est puni. Quand elle a mis son jour. Tu filmes rien du tout, hein, d'accord. Moi, je veux pas être sur YouTube. Non, mais pas question. Hein. D'abord, non, mais. Ça y est. Un bisou d'amour. Attention, hein, parce que. Il m'a envoyé un bisou d'amour. Attention, hein. Ça risque de m'appris. Hein. Oh, c'est pas grave. Je lui ai dit. On s'en fout. On s'en fout des grognons et des trolls. Ah, oui. Et des trolls, oui. Surtout les trolls. Comme le reste, on s'en fout. Bon, voilà. Ouais, un jour, tu nous parleras des trolls, toi aussi. Ouais, ouais. Ah, j'en parlerai. Il faudrait que j'en aie. Ouais. Bon, pour l'instant, ça va. Donc, pour l'instant, ils se sont calmés chez moi ouais, aussi. Ouais, ouais, ah, je crois que c'est par période. On leur fait pas assez envie. Ouais, bien, voilà. On leur fait trop envie, mais ils sont. Ils se sont calmés, ils sont dans la grotte. Ouais. Ils sont en hibernation. Bon, parfois, vaut mieux faire. Depuis tu non, mais la ouais. Ouais. Attends, alors, ça, prendre. C'est du fromage grillé aux herbes. Voilà. Quel fromage, je sais pas. Ça, c'est du vin blanc à la pression. Les Belges découvrent les frites portugaises. Je lui disais hier, je mangerais bien des frites parce que. Bon, et ben voilà. À la limite. Et ben voilà, ici il y en a. Ben oui. Mais elles sont pas mauvaises, mais seulement il faut mettre le sel. Eux ne mettent pas le sel, il faut mettre le sel. Mais sinon elles sont pas mauvaises. Tu me disais, c'est pas de la chèvre. Parce que là, ça... les pipelettes, non, c'est de la vache. Quoi que si, hein, mais non, non c'est... Attends, je floute. Oui. C'est pas Canal Plus. Hein. Ça m'appelle des souvenirs, ça. Tu n'as pas payé ton abonnement, je floute. Tu te rends compte. Oh, purée. Oh là là. Là, il y en a qui sont bien partis, là. C'est pas pour moi, mais alors... Ah non, toi, non. Toutes les occasions sont bonnes pour picoler, hein. Georges, il est toujours dans les bons plans. T'es déjà la vedette sur YouTube. Ah bah oui, et puis... Alors, attends, il y a aussi une petite boudaine, hein, t'as vu. En plus du coup, avec Mireille, on est allé chez Apollinien, à Bologna, on a été chercher du masque. Venir. L'avantage, tu sais, c'est que. On a fait venir. Nous, on a vu la télé. On a tenté. Santé. Santé à tout le monde. Vous pouvez. Attends, je suis ma paille. Santé. Vive la Bretagne. Hein. Oui, la Bretagne vive. Oui, la Bretagne libre. Je retraverse pas là. C'est trop loin. Hein. Santé à tous les abonnés. Santé à tous les abonnés. Et bien fait pour eux, ils n'avaient qu'à venir. Santé. Il y a encore de la place pour un bac, il y a de la place. Pour vous consoler, mes petits chéris, il pleut dehors, il pleut. Pas dedans, heureusement. C'est pas grave, il ne pleut pas chez nous. Ouh là là. Ça y est, la nuit arrive et j'avais très très envie de conclure cette vidéo. On n'est pas en live, mais presque. Tu vois, on voit la luminosité qui s'assombrit. Là, toi, il est 17h15. Ouais, ça s'assombrit. Je vais essayer de vite mettre en ligne cette vidéo. C'était un moment précieux. Voilà, à chaque fois je dis que c'est un moment précieux que j'ai partagé avec toutes ces personnes qui sont encore ici, et vraiment j'estime que j'ai beaucoup beaucoup de chance, parce que j'ai des abonnés extraordinaires, ça se passe très très bien, des rencontres de personnes qui ne se connaissent pas du tout, et tout de suite, boum, ça se match, ça rit, ça parle... ça fait connaissance et c'est voilà, c'est extrêmement précieux. Il faut pas louper des moments comme ça et je les loupe pas. Je les savoure à chaque fois comme si c'était le dernier à la limite. Et j'espère que toi aussi, dans cette période très très particulière, bon, je vais pas parler de cette merde hein, de Covid, mais quand même particulière sans ça. Où ça remue des choses dans les familles ou individuellement, j'espère que tu le vivras le mieux possible,
J'espère que tu seras égoïste, que tu penseras à toi, que tu penseras à te faire des petits et des grands plaisirs. Les petits plaisirs, ça peut être n'importe quoi, un truc que tu as envie de boire, un truc que tu as envie de manger, que tu sois seul, que tu passes ces moments-là seul. Il n'est pas question de s'oublier, il faut se faire plaisir. Si tu es en famille, et ben, se rire avec eux, avec des amis pareils. Je te souhaite vraiment le meilleur. Et là, tu vois, je vais retourner, pas sous la pluie, non, pour l'instant, c'est que gris. Et je sens que je vais me faire inviter chez Babou et Mina, parce qu'ils m'ont apporté à boire des choses spéciales, qu'ils savent que j'aime. Alors, je vais y aller. Et regarde ce qu'ils m'ont apporté aussi. Voilà. Ils m'ont apporté plein de choses. Et les Belges, et oui, les Belges, m'ont apporté du chocolat de Belgique. Mmh, yeah. Allez, je te laisse. Tu penses à toi, s'il te plaît, pendant cette période, encore plus que d'habitude. Ok ? Ciao, ciao !